cette contribution au PLFSS. Maintenant, je vais passer la parole à Sandrine Rousseau, rapporteure pour la branche vieillesse. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres. Alors cette prise de parole en tant que rapporteur est évidemment dans un temps contraint avec un texte que nous avons eu tardivement et avec la menace d'un 49-3, ce qui fait que je vais me permettre de vous poser les questions maintenant en espérant que cela vous permette de les intégrer dans le prochain texte issu de cet article du 49-3. Première question. L'article 23 sur le décalage de la revalorisation des pensions, en l'état, cet article est injuste puisqu'il touche de manière indifférenciée les retraités, quel que soit leur niveau de pension. Outre le fait que les retraités devront attendre 6 mois de plus pour avoir une pension revalorisée, cette revalorisation sera vraisemblablement moins élevée compte tenu du ralentissement de l'inflation. C'est donc bien une baisse pérenne de pouvoir d'achat qui est ici organisée. Alors certes, les bénéficiaires du minimum vieillesse verront leur allocation revalorisée le 1er janvier comme avant, mais avez-vous exploré la piste d'une revalorisation différenciée en fonction du montant des pensions, ce qui serait beaucoup plus juste? Et est-il envisageable d'instaurer une clause de sauvegarde permettant d'assurer que la revalorisation des retraites se fera à un niveau équivalent à celui qui résulterait d'une revalorisation le 1er janvier? Deuxième question. Alors que les auditions que nous avons menées montrent que la MSA qui nous a signalé que le droit actuel présentait encore des écarts de couverture s'agissant du versement du capital décès pour les non-salariés agricoles. Alors ça peut paraître technique, mais c'est une véritable injustice, puisque pour les agriculteurs notamment, le versement de capital décès ne peut intervenir que si le défunt justifie d'une durée minimale d'affiliation au régime agricole. Ce n'est pas la même condition pour les autres régimes. Est-ce que vous comptez contrebalancer cela pour que les régimes général et régime agricole soient alignés? Autre question pour les collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière. La fonction publique hospitalière aura une augmentation de cotisation patronale. Est-ce que pour les collectivités territoriales, ce sera compensé à l'euro près, comme ça l'est en partie, pour l'hospitalisation? J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.